pas sur 10. Il y a un problème, c'est quoi? Il y a l'argent. Tu vois, moi, souvent, tes trucs là que je sais pas. Tu veux l'argent, tu m'as donné un argent. Je travaille pour toi. Tu travailles pour moi, c'est que j'avais des questions, ça. Quand notre mère mourra, elle n'a pas laissé l'argent ici. Fiche-moi le camp. Quand notre mère mourait, quand maman était malade, c'est pas toi qui partait faire tes trucs sur les chevaux là. C'est pas toi qui dormais dehors. Tu connais comment je faisais pour souffrir avec elle. Tu viens là, j'avais l'argent. Il n'y a pas l'argent. Ok, maintenant là où je ne peux pas, elle mange. Va manger là où tu partais, tu passes pas en danser. Va manger là-bas. Parce que l'argent ne te comprend pas, on est dans la même maison. Tu es là, tu fais comme si. Mais tu n'as pas les gars. Tant qu'il me donne les gars là. Quand tu mets les jupes là, c'est pour sortir. Tu ne vas pas séduire les gars. Tu n'as pas les gars qui te financent. Quand tu mets les culottes là, c'est pas pour travailler, pour chercher aussi l'argent. Pardon, ne me casse pas la tête. Ne me casse pas. Je te dis, hein. Faut me respecter. Respecte-moi. Comment? Tu avais t'accaparé de tout l'argent. Maintenant, tu manges l'argent là. C'est le même dessert, tu ne le donnes pas. Tu ne me donnes pas. C'est ça que tu viens avec les femmes ici, les femmes viennent manger l'argent. Même si elles viennent manger, ça ne te regarde pas. Tu es déjà en âge d'aller en mariage. Tu dois partir en mariage. Je te bêche ici parce que j'ai pitié. Tu dois aller en mariage. C'est chez toi ici. On a dit c'est la femme qui part en mariage. Moi, celui-là, je suis le bénéficiaire des biens. C'est moi qui garde les biens de la famille. Tu ne sais pas ce à quoi tu sers dans la maison ici. En tout cas, moi, je suis avant que de sortir. Tu m'oublies que tu me donnes. Voilà, va faire tes conneries que tu connais faire. Maman, elle est taxée. Pardon, tu ne peux pas au député, tu ne peux pas faire ta broderie, mais que tu dois en partir. Qui est devant moi? Tu ne me donnes pas l'argent. Fous-moi le camp, dégage devant mes yeux. Tu ne me donnes pas l'argent. Ah oui, tu vas là-bas, tu me dis que tu ne donnes pas l'argent. Tu dois aller sur ton père. Attends, on va voir ça dans la maison aussi. Comment? Laisse l'argent, tu finis de manger, tu t'assois sur l'argent comme si tu étais. Qui est devant ma vue? Qui est devant ma vue? Escroc. Tu vas faire ta broderie, tranquillement. Tu dois encore aller faire la broderie. Ça va, qu'est-ce que tu cherches? C'est comment? Ça va. Qu'est-ce que ça va? Oui, ça va, non, je vais juste prendre un jus de manger. Et tu fais quoi ici? Je fais quoi? Tu fais quoi ici chez moi? Attends, moi je comprends pas. Je fais quoi encore ici chez toi? Je vais où? Tu ne comprends pas comment? Ah, je suis ton gars, restez. Je ne peux pas rester chez lui, comment et pourquoi? Tu pars chez ton gars comment et pourquoi? Pas vivre avec ton mari. Comment ton mari? Je ne veux pas encore mon mari. Tu gars ton mari, donc pas vivre avec lui. En plus, ta belle-mère n'est plus là, elle ne vit plus. Tu sais que j'ai des films, il faut réfléchir. Tu réfléchis avec quoi? Avec les fesses. La tête, c'était ça. Pourquoi il faut utiliser la tête pour réfléchir? Ta belle-mère ne vit plus. Elle a laissé les biens. Tu sais que tu viens prendre ça? Moi je ne veux pas partir chez lui là-bas comme ça là. Et il n'est même pas encore venu ici là pour dire qu'il peut me toquer pour aussi. Pas faire quoi chez lui. Donc toi où j'ai vu ça, elle devait faire mon toque pour un jour. Toi qu'est-ce que tu as compris vivre ici là? Alice, il faut penser à ton bonheur et au bonheur de toute la famille. Hein? Pas chez ton gars vivre. Ne laisse pas ta belle-sœur prendre tous les biens et elle mange seule. Ou alors une copine vient s'asseoir sur ça. Sur ton argent. Ta belle-mère n'a pas laissé les choses. Le tête qui s'en reçoit, c'est pas pour ta belle-mère. C'est toi qui va gérer ça. C'est toi qui dois. Tu dois t'asseoir sur ça. Toi avec la reine-mère. Tu vois quoi? C'est parce que j'ai des filles même ça. Ah. J'ai compris, même comment elle est sa soeur, ça ne passe pas. Moi, je n'aime même pas. Tu dois aller aimer que c'est ton gars. Si ton gars t'aime bien, ça va, ça suffit. T'as sa soeur, elle ne sait en rien. Elle ne sait en rien. Et quand tu arrives là-bas, tu peux mettre les bêtises dehors. Tu cherches, elle est une femme, non? Elle peut se marier. Oh. Ok, merci.
En tout cas, j'ai compris. Donc, vous m'avez dit là, arrange-toi pour aujourd'hui, mais tu dors là-bas. N'importe. C'est comme moi avant. Ça ne va pas. Je sais que ça ne va pas. Tu as demandé à me voir. Moi, ça m'inquiète. C'est quoi? Tu es malade? Je ne suis pas malade. C'est allô quoi? C'est ma situation actuelle qui me dérange. Quelle situation? Tu as un problème? J'ai pas de problème. Je pense que c'est qu'il y a tant que tu veux me voir officiellement, mais ma famille en fait. Et que je puisse m'installer et vivre avec toi. On a déjà parlé de ça, donc comment tu reviens toujours sur le sujet là? Je viens de perdre maman, toi tu es là, là que tu viens avec l'histoire là maintenant. Est-ce qu'on vient voir la famille comme ça là? Ok, c'est-à-dire que tu n'es pas prêt. Moi je dors donc j'avais dit à ma famille de me donner et aussi. Donc t'attends de là, tu chasses déjà. Mais est-ce que la mère, elle aussi, est-ce qu'on fait des trucs comme ça, que là, elle dit tchac 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 tchac. Maintenant, si je te prends pour te mettre à la maison, c'est encore ta même famille là qui va bavarder, que je prends les filles sans avoir donné à manger, ceci, cela. On va pas bavarder ça, mais on va faire comme ça. Comment tu es d'abord prête qu'on vive ensemble? Oui. Comme si tu attendais seulement la question, là, tu réponds là, 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 tchac tchac. Maintenant, alors, bon, il y a aussi un truc que, bon, je sais pas trop comment on va faire. Parce que l'entente aussi avec ma soeur, là, ça ne donne pas. Ah, tu as mis des bonnes filles. C'est une fille, elle n'est pas grande. Elle n'a pas l'âge de se marier aussi. Tu la mets dehors, on va se faire ça. Ok, en tout cas, aujourd'hui, l'homme a appelé à avoir sa femme. Donc, je pense que c'est la meilleure solution. Il faut comment pour reprendre tes affaires, je ne sais pas bien ce que tu viens à la maison, on va faire ça. Non, je veux que tu me mettes assez dehors, je me fais ce que tu veux. C'est maintenant, c'est la pression de point maintenant que tu me mets comme ça là. Ah bébé. Tu es fâché, fâché, fâché. Dès que tu la mets dehors, tu me fais ce que tu veux. Alice. Oh go. Je vais faire avoir la maison là. Comme d'habitude, toi tu es bien, tu regardes la télé, tu es bien, n'est-ce pas? Je t'ai dit quelque chose tout à l'heure, je n'ai pas compris. Je suis fatigué de ce genre de comportement. Sors. Sors! Tu sors moi, lâche-moi. Comme ta vie c'est dehors là, tu es sorti non? Et tu veux me rendre un taxi pour sortir, faire tes ébambas, sors. Lâche-moi, sors pas, c'est pas ta maison ici, laisse-moi, sors. Donc, je vais me trouver à tout à l'heure. Tu vas prendre un rendez-vous. Tu vas pas aller ton truc à pas de maison. Sors, tu connais qu'on a acheté ma paix. Laisse-moi. Viens comme ça là. Lâche-moi. Sors pas. Tu vas sortir. Tu vas sortir ici. Je suis fatigué de ce genre de vie là. Viens comme ça là. Je vais te faire du mal. Je vais te tuer. Je t'ai dit ça. Non. Non. Ah. Ça, c'est comment mon fils? Oh, maman, je suis là. J'ai causé avec Alice tout à l'heure. Et on a eu à parler par rapport à notre situation. Elle m'a expliqué un peu, sans du tout entrer dans les détails, que bon, comme ça fait un bon moment qu'on est ensemble, qu'il faudrait que on accélère un peu les choses. Donc, moi j'étais un peu gêné parce que je n'ai pas encore, actuellement, tu sais qu'on sort du deuil. On n'est pas encore assez de finances pour pouvoir faire les rituels et tout. Mais elle m'a fait comprendre que ce n'est pas grave, qu'elle peut d'abord venir, comme ça on me connaît déjà. Et oui, et prendre les mais je peux gérer, c'est vraiment bien réfléchi.
Sinon, nous allons envoyer ce château. Si, mais je, comme mon congélateur ici a un problème là, donc je vais chez descendre comme ça pour prendre la boisson que j'ai mis au deuxième congélateur ce soir. Ok. Donc, je vais prendre un peu de temps, mais je vais. Pas sans problème. Je vous prends quoi? Pour moi, je prends la booster. La booster, je te prends. Pour oh, oui. Déjeuner. Tu sais qu'avec tes études d'origine, quand même, en venant ici à la maison, le vent là, tu vas quand même un peu baisser. Bon, je reviens. Aïe, aïe. Tu veux tout rester pas damné. C'est même pas tu veux pas battre moi. Tu vas pas moi, tu me regardes. Une très belle maison comme ça. Tony, Tony. D'ailleurs, c'est que tu as laissé mon argent. Je m'agresse aux deux femmes qui sont assises. Vous faites quoi là chez moi? Qu'est-ce que vous faites chez moi? Tu veux que tu appelles ce défusé? Vous faites quoi? Vous êtes assises là? Qui vous a amené? Sortez rapidement avant que je m'énerve. Sortez! Et c'est la voix de qui? Comme ça, c'est la voix de qui alors? Je parle, j'ai toujours assis. Hey! Sortez immédiatement. Sortez! Mais je demande si c'est que je prends et que je ne mets pas les bras. Voilà donc le comportement. Vous venez chez les gens, vous partez. Est-ce que c'est de ma faute si j'ai tardé? Elles sont parties où? Okay. On a table ici. Il y a quoi ici là? J'ai un peu d'affluer. Okay. C'est quoi ce genre de comportement?